vous entendez, ça marche et on n'est pas du tout en retard, c'est pas vrai. Pour jouer à Mario Kart 8 Deluxe, c'est pas souvent qu'on fait des live Mario Kart. Ça fait un bail ouais, qu'on n'a pas relancé Mario Kart 8 Deluxe. Mais et bon, ça fait un bail qu'on n'a pas joué ensemble à Mario Kart en plus. Mais là, c'était forcément la bonne excuse puisque sortent aujourd'hui les nouveaux circuits. Donc la deuxième vague du DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Il y avait déjà eu 8 nouveaux circuits qui sont sortis au mois de mars. Donc c'est 2 nouvelles coupes qui viennent se rajouter. Et là, on en a encore 2 de plus. Donc on va les découvrir. On sait déjà lesquels figure puisqu'en fait ce sont d'anciens circuits dont certains de Mario Kart Tour, l'application mobile, qui viennent s'ajouter là à Mario Kart 8 Deluxe. Et on va jouer, on va même jouer contre des lecteurs. Tu vérifies qu'il y ait bien les... Ouais, je vérifie qu'ils y soient déjà. Normalement oui, j'ai fait la mise à jour moi-même, alors attendez. Hop. Normalement il devrait y avoir le son du jeu, confirmez-moi qu'il y a bien le son du jeu s'il vous plaît sur le chat. On est pas du tout en roue libre, hein. Hop. Ils sont là. Tout va bien, les circuits sont là, on entend le jeu, on nous dit « Madingue, merci beaucoup ». Il y a un cheveu. Donc on va pouvoir jouer, on va même essayer de jouer contre vous, les lecteurs, normalement ça devrait fonctionner aussi. Donc on a voilà, l'escapade new-yorkaise de Circuit Mario 3 de Super NES, Desert Calamari de Flipper Waluigi, celui-ci oui. On l'attendait énormément, on pense à Pippo qui aime énormément ce circuit aussi, Sprint à Sydney de Mario Kart Tour, Pays Neigeux, les Gorges Champignons de la Wii que j'aime beaucoup parce que j'ai énormément joué à Mario Kart Wii, et la Cité Sorbet qui est annoncée comme étant un tout nouveau circuit pour ce DLC, mais qui en même temps va rejoindre Mario Kart Tour genre dans quelques jours quoi. Voilà, c'est un petit peu l'astuce de Nintendo. Je pense que tout se recycle sur Mario Kart 8 Deluxe et notamment les circuits de Mario Kart Tour. On a l'impression, je pense que c'est à peu près la même équipe qui doit être à l'œuvre sur Mario Kart Tour et qui se charge de transposer certains des circuits. Ensuite sur cette version là. On est prêt à jouer ? Bah ouais, comment on procède alors ? Va dans le mode en ligne, allez. Tu vas jouer contre donc ami adversaire et tu vas chercher Moju qui nous a servi un petit peu de... C'est un de nos lecteurs, un des habitués, tu sais ces lecteurs qui font des tournois Mario Kart très régulièrement. Moju fait partie de ces gens qui passent beaucoup de temps à s'affronter entre eux. Donc voilà, ami adversaire, normalement ça devrait fonctionner comme ça. Cherche Moju. Et en fait, si on le rejoint en lui, les autres vont le rejoindre et du coup, on va pouvoir jouer comme ça avec les lecteurs. Alors, normalement, attends. Ça devrait se passer comme ça. Là. Voilà. Et si Moju. Là... Formidable. Alors, comment on va faire ? Pour l'instant, c'est Puyo qui va jouer. On va se passer la manette un petit peu et en fin de live, on va essayer de jouer tous les deux contre les lecteurs. Mais là, c'est toi qui ouvre le bal. Très bien. Et après, on jouera effectivement en écran splitté. Ah. Ah, lol. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé ? Sachant que... T'as réussi à te connecter tout à l'heure ou pas ? Parce que il m'est arrivé, en voulant lancer un petit Mario Tennis Aces de temps en temps, de ne pas réussir à rejoindre le... À cause de quoi ? Ah, je ne sais pas. À cause peut-être de la du bypass de notre enfin du firewall de notre bien-aimé tour TF1. T'es sérieux là ? Ah, je suis sérieux. Mais ça marchait très bien quand on était à Temple. Ça marchait très bien à la répète. Mais je pense. Tu penses que ça ne va pas marcher en fait ? Je pense que ça ne va pas marcher puisque ça ne marchait pas. Au moment de Mario Tennis. Et en fait, comme là, on est parti tourner l'émission. On n'a pas eu le temps de vérifier. On n'a pas pu vérifier, puisqu'on partait du principe que n'importe quelle connexion Internet fonctionnait. Bon, bah on va jouer tous les deux. Parce que moi, j'ai mis le jeu à jour. Sinon, on peut faire téléphone en partage de connexion. Si tu veux, on peut faire comme ça. Mais c'est un peu moche. Mais au moins, on pourra jouer avec les lecteurs. Et surtout, moi, j'ai pas un forfait extensible de ouf. Ouais, mais c'est pour une heure. Ouais, tu crois ? Bon, allez. Moi, j'ai pu faire du partage de coups pour mater des films avec mon téléphone quand j'avais pas. On va faire ça. Excusez-nous pour ce petit GK fail. Parce que j'ai mis le jeu à jour. Je me suis assuré que les lecteurs soient prévenus. J'ai vu avec Moju pour qu'il soit dans la Switch, qu'on n'ait plus qu'à cliquer. Je pensais avoir tout préparé. Je dois avouer que je n'ai pas les mains sur la connexion. Est-ce qu'il y a une subtilité, mon cher Hubert, sur ces questions de connexion ? Vous êtes en RJ45 ? Ouais. Oui, on est en Ethernet, ça, puisqu'on est sur le dock Switch OLED qui a directement sa connexion. Justement, on voulait offrir le maximum de confort.
depuis qu'on est ici, en, je pense pas. En ligne ? Bah non. Parce que le Wi-Fi fonctionne pas. Ah bah tu as le Wi-Fi toi ? Non. Bon bah voilà, mais de toute façon il faut déverrouiller la Switch. Et cette Switch là, elle est pas déverrouillée pour le Wi-Fi. Bon, navré, mais c'est la particularité la petite tambouille interne. Luma, je te propose de masquer un petit peu cet écran. Regarde ça. Voilà. On va se débrouiller, rassurez-vous. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un petit. Faites chauffer les moteurs. Ouais. Nous, on est déjà. On vous laisse un petit peu de points d'avance. On est déjà chaud bouillant de notre côté. Incroyable, subterfuge, mais pas du tout, serviette. Bon. On voulait pas se faire humilier tant que ça. Voilà, vous avez peut-être entendu. Non, mais surtout ce genre de choses auxquelles on pense pas, parce que c'était pas des problèmes. Et non. Pas le genre de problème qu'on avait auparavant. C'est pas le genre de problème qu'on a eu. Mais là, ça devrait marcher. Hein. Hop, je remets le jeu derrière nous. La meilleure excuse de sac ever. Non mais oh, Antoine. Et là, vous allez voir, on est bon. Donc évidemment. Toi, tu joues avec Wario, donc. Ouais, j'ai l'habitude de me faire humilier avec Wario. J'espère que ça va marcher cette fois. Ceci, non, c'est très long. Mais il vaut mieux que ah non, mais là, je pense que ça va marcher. Par contre, est-ce qu'on aura... Oui, parce que quand ça marche pas de suite. Ouais, ouais. Ça, c'est pratique. Vous voyez ? Tout va bien ! Ce GK Live, vous enverrez la facture orange, vous inquiétez pas. Alors... Bon, merci beaucoup, du coup, aux gens qui sont déjà là parmi nous. On a, du coup, Moju, on a Serviette, on a Calimari, on a Bajou également. Donc, c'est beaucoup les pseudos, moi, je les reconnais. C'est les habitués des tournois, du coup, pour expliquer un petit peu. Parmi les lecteurs de GameCult, il y a les grands fans de Mario Kart qui font entre des tournois tous les mercredis soirs. Ils sont tellement nombreux qu'ils font ça. Ils organisent ça sur le forum. Donc, si vous cherchez, voilà, sur le forum de GameCult, tournoi Mario Kart 8, vous pouvez les rejoindre. Il suffit de prévenir un petit peu en avance, mais l'ambiance est toujours chaleureuse, même si on se fait rouler dessus, littéralement. Moi, les quelques fois où j'ai participé, je crois que j'ai jamais fait mieux que avant dernière sur le classement complet du tournoi, en fait. Une fois, j'ai réussi à carotter. Tiens, on va commencer direct. Ah bah non. Non, les gens vont choisir. Non, ne quitte pas, Puyo. Une fois, j'ai réussi à carotter. J'ai fini deuxième. Sur, pleine sur de une notes course 3. Ouais, ouais. Parce que moi, je parle du quand tu termines toutes les courses, ah, sur le classement complet. Ah oui, non, j'ai fini dernier. Non, sur un classement complet, je fais au mieux avant-dernière. Oui, des fois, j'ai même fait un top 1, je crois, une fois sur un circuit. Par chance. Évidemment, par chance. Bon, en tout cas, ça marche. Tout va bien. Excuse-moi, moi, je suis. Oui, on va faire dans l'ordre. Bon, on va essayer de faire tourner. On va tous les voir les circuits. On va tous les voir d'abord et après on essaiera de jouer à deux sur la même machine. Là, c'est juste pour avoir un petit peu de confort et voir un peu. On n'a pas nos représentants belges parce qu'il y a quelques Belges, ils sont chauds patates parmi les habitués. Et donc on est parti pour cette escapade new-yorkaise. Alors on va mettre les choses à plat de suite. Visuellement, il ne faut pas s'attendre à le genre d'effet visuel comme il peut y avoir sur les circuits de Mario Kart 8 Deluxe de base. Pour ce DLC, ça m'a visiblement plutôt l'air d'être l'équipe de Mario Kart Tour qui s'en occupe. D'où parfois... voilà. C'est... Allez, on peut prendre le screen. Ah merde. Quel screen? Qu'est-ce que tu voulais prendre en screen? Parce que tu étais premier, oui. C'est ça? T'inquiète pas, du coup il y aura la preuve en vidéo, c'est ça qui est voilà, bah c'est tout bon. Pratique. Voilà, c'était la fin de ce GK Live, merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tu as fait un tour, Pouillot! Oh merde, là je me suis fait avoir par la minimap! Tiens, boum! Et oui, ça c'est la particularité de quelques circuits que je trouve personnellement plutôt cool. C'était déjà le cas sur le circuit Escapade à Paris, ou un nom comme ça, ou Balade Parisienne peut-être. Il y a plein de routes différentes, mais qui se débloquent et ça change au fur et à mesure de la course. Et Escapade Parisienne termine en faisant un demi-tour en fait. Plutôt marrant quand on connaît les bouchons. C'est pas mal, ouais, faut le connaître par contre. Hein. C'est vrai que du premier coup. Et là, pour le truc new-yorkais, c'est plutôt. Tiens, Calimari! Boum! Il est super chaud. Ce qui est plutôt rigolo, c'est d'avoir ces grandes lignes droites très longilignes, ce qui est typique des rues américaines. Là, on passe dans Central Park et tout. Alors, il y a un truc qui est rigolo, on s'en rend pas exactement compte lorsqu'on est en course, je m'en rends compte. Mais vous voyez sur les côtés, il y a des... Qu'est-ce que je fais? Bah oui, bah, je connais pas le circuit.
Il y a des personnages que vous voyez sur les côtés, donc ça va être des Yoshi, des Toad, ils sont soit sur le bord de la route, soit assis sur des bancs et on les aperçoit dans le décor. En vrai, ces personnages font trois fois notre taille. On a vu ça sur les screenshots. Ah, carotte en fait. Oh, quatrième en plus. Ah, grosse place. Erreur d'appréciation sur, ah, quatrième, sur mon c'est virage. C'est le premier des perdants, parce que tu n'es pas sur le podium. Ah, mais c'est ce virage avec l'espèce de petit tapis rouge là qui m'a... Je fais la première coupe, tu fais la deuxième ? Allez, et puis après on inversera. On va à peu près tout faire. Ouais, tous les circuits avec des vraies villes, c'est tiré de Mario Kart Tour, parce qu'à chaque fois, sinon, c'était genre des villes champignons, des choses comme ça. Bien joué à Bajou. Qui a... Ah bah oui, désolé pour la rouge, mais c'est l'esprit, hein. C'est l'esprit. Tu sais que c'est la faute de ce virage que je connais pas bien. Ce que tu viens de dire, c'est déjà dans ça le ça y est, c'est déjà dans le fichier de sac. Ah non, mais c'est, de sac, hein, c'est la vérité. Bon, en tout cas, les gens ont eu le mot. On va faire des circuits dans l'ordre pour découvrir ces nouvelles coupes. Et puis après, on les relancera et on aura l'humain avec nous. Enfin, on sera à deux. On sera à deux, ouais. On splitait. Oui, là, pour au moins découvrir, on voulait lancer une première coupe en plein écran. Oh, c'est ah, l'ancienne. Ah, la musique. Ah, voilà, on voit déjà que les gens connaissent le parcours. Ouais, d'accord, super. Bah, celui-là, on le connaît depuis 30 ans, j'ai envie de dire. C'est vrai. Avec la grosse épingle. Je peux flex personnellement, mon tout premier Mario Kart, c'était le tout premier Mario Kart. Puisque j'avais Super Mario Kart sur la SNES de mon papa. Le raccourci là, très important. Tout à fait. Très important le raccourci milieu. Circuit qui était déjà repris sur Wii. Et là c'est drôle, on dirait qu'on est sur Wii. Exact. Il n'y a pas beaucoup de différence avec la version Wii, j'ai envie de dire. Si ce n'est, j'ai l'impression qu'il y a moins de taches d'huile puisque c'est l'un des petits obstacles qu'on peut rencontrer, des taches d'huile qui nous font glisser, qui peuvent nous déséquilibrer dans un virage. J'ai le souvenir qu'il y en avait plus sur Wii. Il y avait également des boosters au sol, c'est les plaques là qui te permettent d'accélérer. Là, il y en a moins. Sur Wii, par exemple, il y en avait un booster juste là à la fin de ce virage, avant la ligne d'arrivée. Il est là. Ok, j'ai rien dit. Bon, c'est compliqué, il va me falloir le bullet bill là parce que. Coupe les virages là, avec le champignon. Malgré tout, voilà. C'est bon. Bah voilà, 12ème, hein. On y arrive. Enfin, 11ème sur 11. Ah, il se piège quand tu te dis ah, mais je suis 11ème, je suis pas dernier alors que bah. Ouais, bah si. Non, mais là, j'avoue que. On nous dit, je me désabonne après cette performance. Ah bah là. Et tu peux couper. Tu peux le faire. Ah non. Non mais de toute façon ça changeait rien. Fallait que je prenne tous les risques. Voilà, lamentable. Alors que tu avais tout. Ah bah là de toute façon. Le champignon en étoile. Non mais là de toute façon ils sont. C'est un bah joue 24 points. Par cœur, pardon. Ah mais cette map là ouais on la connaît par cœur. Il y a pas et puis il y a tous les joueurs Mario Kart du forum là, on joue vraiment. Ah oui, on joue avec la crème de la crème du forum GK. Le désert calamari, un circuit 64. Alors pour le coup Mario Kart 64 moi je le connais pas parce que je n'ai pas eu la 64 quand j'étais petite. Il avait été repris dans un autre oui, Mario Kart. Oui, alors lequel je ne sais plus parce que j'ai tendance à les confondre, le 7 peut-être. Le DS ou le 7, je ne sais plus. Là, on nous dit que c'est une très belle remise à jour. Alors, on va voir ça. Là, par rapport à la 64, oui. Au moins, ce qui me chagrine, c'est que c'est des circuits qui auraient pu être encore plus beaux s'ils avaient été traités comme les circuits Mario Kart 8 Deluxe. Enfin, Mario Kart 8, quoi. Il y a un twist, on nous dit. Ah, il y a une surprise. C'est que les textures sont en DLC. Alors. Voilà, c'est de la découverte hein, pour moi aussi. Je ne connais pas ce circuit. Oh, je crois que c'est plus de chance.
redécouvre aussi. Enfin, je redécouvre. Il y a l'air d'avoir une grande boucle intérieure en fait au milieu de la boucle. J'imagine que c'était déjà là à l'époque. Ah ouais, là. Ouais, mais il a pas validé mon saut, je sais pas. J'espère qu'ils entendaient assez bien le jeu, j'ai juste pas poser la question, savoir si le son était assez fort. On nous dit prends les rails, Puyo. Quel rail? Je ne sais pas. Ah oui, très bien, ouais, d'accord. Elle bah, déjà, pas déjà, tout à l'heure cette passerelle. Déjà, j'essaie de survivre à tout ce que je me mange. Aïe. À le train. Ok, du coup là on est dans la boucle intérieure. Ah, c'est plutôt cool. Ah, et le troisième tour se fait là-dedans en fait. On recroise le train. Là il faut passer par là. Ok, du coup on revient sur la boucle extérieure. Ah, c'est plutôt cool comme petit changement de rythmique. Ça va beaucoup trop vite en fait, on devrait pas jouer avec les gens du forum. On se fait dégommer à chaque fois. Putain. C'est le premier cactus qui se fait paniquer par l'étoile quand même, hein. Non mais j'ai foncé dedans parce que j'avais l'étoile. Et il se fait même pas soulever. Le cactus plus fort que l'étoile. Non mais c'est quoi? C'est random. Magnifique. Et le fameux, le très attendu Flipper. Bon, ça, je suis pas le seul à m'être fait avoir par le cactus. Le Flipper Waluigi, l'un des meilleurs circuits de Mario Kart DS. Et ouais. Mario Kart DS qui était sorti en quoi, 2006 2007 2005 Oh, ouais. Voilà. C'est encore plus vieux que dans mes souvenirs. C'est vrai qu'en soi, est-ce que si sur un carte tu fonces sur un cactus, le cactus vole? Ouais. En vrai, non. Je suis pas sûr. On nous dit Mario Kart plus réaliste que Forza Horizon, là où les arbres volent. C'est vrai? Ah bah on est sur DS. Ah, par contre, en termes de tracé, de rythmique, celui-là, il est vraiment chouette de sortir. Ah bah, tout le monde est spécialiste, là. Impossible. Cinquième, déjà. Quatrième. Oh, ça va vite. Oh, on est en 150. Oh là là, il prend tous les risques. Il y va. Le Verlex est chaud comme les braises. Il ne s'est pas fait avoir par des flippers. Attention, sa carapace derrière. Termine le tour deuxième sur la ligne. Oh, il est tellement loin avec son Roy là. Ah non, je le prends pas. C'est pas grave, troisième, c'est bien. Trop court. Ouais. Trop court. Ça y est, une erreur et la meute arrive. Ça décroche, ouais. Je vois qu'il y a des... Ça fait débat, mais... Oui, je fais des remarques, je fais des tacles. Mais c'est parce que j'aime Mario Kart. C'est pour ça que je suis exigeante sur le rendu de ces circuits. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. On nous dit ça fait plaisir de retrouver ces circuits, mais le boulot n'est pas digne de petit artisan. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont ceux de Bob. Oh non, quel abruti. Les foutus cactus dans le flipper. Quatrième, non, ça regarde, va, t'es remonté, regarde. Non, il est super loin. Non, en vrai, la première place, ça va être chaud, mais essaye de rester dans les 4 premiers, quoi. Ouais. C'est là qu'on prend un truc. Non. Prends les plus larges, ces circuits, ces virages. Non, mais j'essaie d'avoir le...
Ah là là. Classique. Le problème c'est qu'avec eux, ils sont tous bah voilà, droit, t'en prends une, c'est fini. T'en prends une, tu perds 6 places quoi. Alors du coup dans le flipper, toi t'es plutôt de la team d'aller au milieu. Ouais. Moi j'ai de souvenirs, j'étais vraiment de la team de aller sur les côtés pour essayer d'éviter les boules quand même. Quatrième. Troisième. Ah dommage, bon c'est moins honteux. C'est pas mal, en vrai. C'est moins sur honteux. Sur ce circuit, c'est pas mal du tout quand même. Hein. GG quand même, on te dit. Bon. Sympa de la part de Puyo de laisser les viewers gagner. Écoute, tu vois, tu finis avant-dernier sur ce circuit-là. On a un peu de temps, on a mis un quart d'heure pour faire les circuits. Est-ce que je fais moi aussi les 4 et après on joue à 2? Ou est-ce qu'on fait direct à 2? Bah, fais les 4 de la deuxième. Ah non, oui, je fais les 4 de la deuxième coupe et après on fait des... Mais oui, je suis bête. C'est à moi de commenter maintenant. Oui, c'est donc ça que vous êtes en train de dire. Bah écoute, oui, il faut. J'ai pas vu qui joue Roy, c'est Bajou. Non, je sais plus. J'ai pas fait attention non plus, j'ai pas vu de pseudo. Bon, en tout cas, félicitations, hein, vous êtes toujours aussi, aussi ma boule là-dessus. Ah ouais, fais attention au cactus, nous dit Joe Mosby, il a bien raison, le cactus est fourbe. Le cactus a l'air fragile, mais c'est un véritable bambou. Alors, sprint à Sydney. Évidemment, on voit l'opéra, là. Ouais. Ah oui, une petite précision, c'est vrai qu'avec cette mise à jour, ils ont même mis à jour un petit élément qui me chagrinait, moi, dans le supermarché Coco, de la première version qui est sortie en mars. À la fin, les voitures sur le supermarché Coco, maintenant, elles bougent. C'était pas le cas avant. Alors. Bon, alors oui, du coup, je t'ai pas donné le carte. Voilà, c'est peut-être bah, pas forcément en un carte. En vrai, ça bien, va. Moi, j'aime bien les cartes qui font des virages très serrés. C'est pas le meilleur, mais il me semble ok pour le setup. Si je commence directement à râler sur setup, c'est pas possible, tu vois. D'ailleurs, sur le... Ah bah oui, résigné par la défaite, je sais que je n'ai aucune chance face au chat. D'ailleurs, c'est quoi le combo ultime, vraiment celui en haut de la tier list, l'association qui peut faire gagner à tous les coups, ou presque. À part le niveau de pilotage, bien sûr. Hein. Mais est-ce qu'il y a comme ça des persos, des cartes qu'on voit régulièrement, parce que... Ça fait très longtemps que je ne joue plus. Moi je joue avec le l'espèce paraco de petit... est très coté, c'est un bon cas. D'accord. Et moi je joue avec l'espèce de petit scarabée là. Waluigi c'est top tier, ok. Waluigi, Wiggler, ce serait ça le. Wiggler est énormément joué, d'accord, ouais. D'accord, très bien. Je ne sais pas pourquoi. Merci pour. Ah bah. Je vais essayer alors. En fait, tu prends des astuces. Pour bah, les astuces du bus, tu bah. Prends les astuces du deuxième round parce qu'on va rejouer après en écran splitté. Bah. Oula, elle est vachement technique. Le tracé a l'air assez. Ouais, je vois par la minimap. Ça donne pas tous les repères, mais en tout cas un petit peu. C'est, le circuit est assez long. Bah, en rétro, moi je prends Wario, Paraco, Wheeler, Roo-Roller et Nuage. D'accord. Ah non, je ne pouvais pas autant couper que je pensais. Dommage. Ah, on nous dit de le faire en 200cc. Non, après, pour moi, il y a plein de circuits qui sont pas adaptables aux 200cc. D'accord. Waluigi, Wiggler, c'est la méta. Ah, vous m'en bouchez un coin, quoi. Moi, j'étais resté sur Roy. Roy dans son espèce de. Bah, dans le. Ouais, le jeu pique-t-il moi. Dans le papillon, là. Bon, t'as le Bullet Bill et t'as la carapace bleue. Je m'empresse d'envoyer immédiatement. Ce grand virage, je vais me choper. Salut, je débarque et je vois 11e, mais je suis sûr que c'est un hasard. Merci. Alors, je vais employer la même excuse que plus haut. Je découvre le circuit. On découvre le circuit ce soir. Contrairement à l'immense majorité du chat. Bon, c'est la fin. Je n'ai pas fini dernier. Hello Meme Steals et bienvenue. Bah écoute, grosse prestation de la team GK comme prévu. Hein. Là, quand on joue avec les habitués, c'est pas la même que quand on joue mais dans j'ai un envie cercle dire, familial. En fait, nous on s'échauffe. On s'échauffe. On s'échauffe aussi. Parce y a que ça. Voilà, c'est la chauffe. Après, on arrive. Après, on va s'associer surtout. C'est ça que vous comprenez pas.
C'est vrai qu'on jouera techniquement en chacun pour soi, mais on va surtout jouer en nous deux contre le chat. Enfin, contre les lecteurs. C'est surtout ça. C'est la game de chauffe, je l'avais déjà dit pour Pokémon Unite. Ah oui. C'est vrai. Ah, putain, est-ce que tu te souviens, nos lives Pokémon Unite, c'était quelque chose quand même. C'était lamentable. Pouvez-vous rappeler la douille méthode pour accéder à ces DLC? Alors, si la douille, tu appelles ça de prix, c'est 25€ pour avoir le pack complet, du coup, juste par mise à jour, avoir la version complète qui, du coup, va s'étaler normalement jusqu'à la fin de l'année 2023. Et si tu es, je crois, abonné au pack additionnel du Nintendo Switch Online, ils sont débloqués, mais ça veut dire que voilà, l'abonnement est plus cher. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce pack additionnel dans lequel il y avait aussi du coup de DLC d'Animal Crossing. Je trouve vraiment extension d'abonnement fourre-tout. On y met un petit peu tout ce qui passe, des DLC, des jeux Mega Drive. Tu sais, c'est un peu ce tiroir de chevet dans lequel tu as tout qui traîne. Pour Fantasy Arcade, je suis prêt à mettre n'importe quel prix. Alors, attention. Ah, dommage, j'avais la tentative d'accélération. Ah, j'étais bien et tout, et puis j'ai chu. Ah, là, il y a baston. On sent que les joueurs sont peut-être moins aguerris. Oh, joli, allez. Eh. Ah, on sent les heures passées sur la version d'avant. Bah, c'était quoi la version d'avant? Ça me dit rien, c'est surtout. Si, je l'ai plus. GBA? GBA. J'ai un peu joué à la version GBA, mais je l'ai pas tanné autant que la version DS. Que j'ai piqué à une des ex de mon frère. Ah bah d'accord. Non, elle me l'a donné. Et en retour, elle m'a piqué ma DS tant. Tout court. La console. Bah là, t'es plutôt pas mal, bien protégé. Une autre carapace vers ton stock. Calimari qui fait pas encore l'écart. Ça se passe bien, hein. En vrai, je préfère sécuriser voilà. Une deuxième place, tu vois. C'est ça d'avoir snobé la version GBA et d'avoir commencé sur Mario Kart Wii, le chat. C'est que... Alors, je suis sûr que le chat, il a dû vraiment saigner Mario Kart Double Dash. Je le sens comme ça. Ah, mais Double Dash, c'est la base. J'aimerais tellement un mode Double Dash. Bon, genre... je disais que Calimari creusait pas l'écart, mais là... Avec le nombre de persos qu'il y a, après dans Double Dash, il y a tout le délire des coups spéciaux et tout, qui là serait difficilement adaptable. Allez, mais... Calimari va exploser. Un mode Double Dash où tu joues à tous ces circuits, mais en mode binôme, quoi. Allez, c'est le moment. Allez. J'ai essayé. Tu as vu, j'ai essayé. Calimari s'était... c'était protégé derrière sa banane. Mais vraiment, deuxième mais... et... Mais... Ah non, mais... La remontada. À quelques encablures. La remontada, on a repris. Regarde, on a gagné 3 places sur le classement. Calimari JP nous dit, moi j'ai poncé le GBA. Voilà, bah c'est pour ça que tu connaissais le circuit, contrairement à tes partenaires. Le GG pour la Team GK, Joe Mosby voilà. qui est sport. Gorge champignon. Le circuit de la version Wii. De sinistre mémoire. Je dédie cette course à mes potes Margot et Elisa, avec qui j'ai énormément joué à Mario Kart Wii quand j'étais au collège. Ah mince, on va devoir break la room pour que vous puissiez jouer à deux, bah sinon on enchaîne, hein, tant pis. Ah, c'était ce que je pensais faire, j'avoue, quitter la room et relancer. Ah oui. Bah pour qu'on joue à deux, on n'a pas le choix. Ah oui, nous il va falloir qu'on quitte, ouais, oui, ouais, pas de souci. Oui, bien sûr. Tant qu'on a deux slots, nous ça nous va. Merci Vince pour l'abonnement. Ah mince, alors du coup on passe sur le site. Ah oui, bon bah écoutez, il y aura une petite inversion, c'est pas grave. Alors du coup après on vote tous pour de la gorge champignon pour faire tous les circuits. Bon là on commence du coup sur la cité. Cannes il se fait... Donc là on n'est pas du tout sur la gorge champignon, on est donc sur la cité Sorbet, le fameux nouveau circuit qui est pas inédit puisqu'il va également aller dans Mario Kart Tour. La trahison de Cannes, forcément. Ouais. Et alors il a la particularité d'être tout en anti-gravitationnel celui-là. Ok. Donc à chaque fois qu'il y a choc, bah il y a boost. Ah oui, ça... Il est très laid, globalement. Je suis contente que ce soit toi qui me dise parce que je trouve que j'ai suffisamment tanné le jeu sur son apparence. Ok, c'est sympa. J'attends le bout. Un moment. Ah là, quand on connaît pas tous les CLR raccourcis, là, il y a moins de...
peux dire qu'il y a un petit peu plus patch. Ah, on est plus sur un pied d'égalité. Oula, oula là. Ça va. Les petites ailes t'ont sauvé. Allez, 7ème, on est dans la meute, mais on est là. Oui, c'est vrai, Mute City et Igloo étaient déjà en anti-gravité. C'est vrai. Donc, N6, hein, toujours là pour corriger les approximations. Ça rebondit en tout cas, c'est... Aïe, ça rebondit dans le vide. Qu'est-ce que c'est dit, hein? Ah non, le père est en vacances, vous n'entendrez pas sa rente habituelle sur les circuits de Mario Kart qui sont pas gratuits. Je sais que c'est un râleur et parfois il en rajoute un petit peu, mais moi j'étais d'accord avec lui, hein, pour sa rente Mario Kart. Ah bah il faut bien... C'est quand même des petits artisans derrière, hein, qui craftent à la des main... Des petits artisans pour le jeu suivant de la Switch, ouais. La rampe de non, lancement. Non. Deuxième, il y a une étoile qui arrive derrière. 8ème. Bon, 8ème, c'est pas le circuit de ma vie, hein, je vous le dis, sans avoir joué, mais... Il est moins impressionnant que ce qu'il en a l'air, ouais. En vrai. Ça va parfois un petit peu vite, parce que si tout le monde se met à tournoyer en même temps, on n'y voit pas grand-chose, mais... Tellement d'éléments du décor sans hitbox. Ouais, je suis passé à travers quelques barrières, hein. On est parti sur Gorge Champignon. La Gorge Champignon maintenant. Voilà, c'est plus que j'aime beaucoup. Pas terrible ce circuit, ouais. Midi, Steve Metroid. Steve Metroid, ouais. En fait, comme il est pensé pour en même temps être jouable sur mobile. Ah non, on refait pas les pingouins là. C'est qui le dissident? J'espère surtout que le random va être... Ouais, c'est bon. Oula, oula. Mais non, mais... Qui? Mais j'ai l'impression que le random est pas si random, quoi. Bon, bah allez, c'est reparti. Bah ouais, mais du coup, je voulais faire la gorge champignon, la fingouin. Bah on la fera, fingouin. La gorge champignon. Bah ouais, on la fera. Trahi par le chat, une fois de plus... Bah, parce que tout à l'heure j'ai terminé. Bah oui. J'ai terminé deuxième sur celui-là. C'est vrai. Du coup, si je termine moins que ça, c'est la honte. Bah, y a plus qu'un seul choix, finir premier. Bah ouais. Bah là, c'est mal parti. Allez, on prend le paquet double. Plein de champignons. Ah. Je l'ai vu. Hop, oh, le deuxième. La petite. Oh, l'arnaque! Arnaque du chat sous vos yeux. De toute manière, c'est pas ce circuit qu'on devait faire. Oui. Ouais, ça compte pas. Ça compte pour rien. Ça compte, voilà. C'est court, ça compte pas en fait. C'est juste pour entretenir le moteur. C'est un peu comme les ministres qui laissent tourner les moteurs. Exactement. C'est juste pour pas que ça refroidisse, quoi. C'est pour laisser la clim. Ah là là, Link. Qui t'a subtilisé le double paquet. Au nez à la moustache. Non mais ça s'était trop bien passé la première fois qu'on a fait ce circuit. J'étais deuxième, il s'est rien passé toute la course. Et là j'ai l'impression de pas avancer. C'est passé. C'est passé. Je n'y croyais pas. Ça... Bon, pas mal pour une game de chauffe. J'ai eu quelqu'un avec ma...
Avec ta verte. Avec la verte. GG Shishidado qui a gagné. Ouais, mais ça compte pas. Mais ça comptait pas, donc c'est bien. C'est... On peut peut-être faire un petit amendement à la règle GK. Ah ouais, c'est puissant ça. Alors, attendez. Est-ce qu'on va réussir à lancer Gorge Champignon ? C'est le suspense. Fangouin, ouais. On te surveille, tout va bien. On peut peut-être faire un petit amendement à la règle GK ouais. Sur Mario Striker Battle League Football. Je sais plus pourquoi c'est thème. Mais... Ça y est, Fangouin est ban. Ah non. C'est bon, il sera pas ban du prochain tournoi. Trop de suspense. Ouais. Savoir quel circuit on va faire là. F pour Fangouin. Alors la gorge champignon, un circuit qui peut être redoutable à cause de son passage final où on rebondit sur des champignons. Ça peut tout changer. Parce que derrière ce passage-là, il y a juste un virage. Ça, c'est incroyable ta méthode pour... En fait, ouais. C'est un... C'est un vieux réflexe de Mario Kart Wii, justement. Et qui ne fonctionne pas sur Mario Kart 8 Deluxe. Je n'arrive pas à m'en défaire. Je sais que c'est pas comme ça sur Mario Kart 8 Deluxe où on accélère. Un petit peu à chaque seconde, en fait. Ça ne marche pas du tout. Oula. Alors, si vous regardez bien les photos promo qui ont été diffusées, enfin les screenshots qui ont été diffusés de ce circuit-là pour promouvoir le DLC, regardez bien les taux de, sur le côté. Il y a tellement pas de texture qu'il flotte dans les airs. Ceux-là, là, les spectateurs, là. 6 champignons, hein. On est bien dans la... La gorge champignon. Ouais, dans la gorge champignon. La bombe derrière. Voilà, ouais, t'as touché. Où c'est Moju devant nous? Allez Moju, hop! Ça rebondit. Oh, Oh là là! Non! Ah. Oui! Non! Merci le lag! Merci le lag! Attends, il y a eu un moment, j'aurais dû tomber dans ah le bah, vide. Deux d'accord. Fois même. Et voilà, premier! Hein? Attends, ils sont y a juste derrière. Il y a une meute derrière toi. Ils sont juste derrière. Ah ouais. J'ai vraiment cru que j'allais tomber et plus d'une fois. Merci à monter à la, au partage de connexion qui nous a bien sauvés. Ah, c'était sûr, j'allais. Voilà, de toute façon, en plus, ils... T'as vu comme ils sont forts, ils attendent que tu sois en train de rebondir pour te bah faire ouais. Shooter. Hein. Ça joue stratège. Ah, des boules de feu. Les étoiles qui arrivent, là, c'est bon, c'est la meute. Et alors, en fait, les rebonds sont bizarres. Ils rebondissent ouais. Pas comme sur Wii. On rebondit un tout petit peu plus loin sur chaque champignon. Allez, Yamwai. Ah oui, magnifique. On sécurise la quatrième place. Quatrième place, bien ouais. Trop d'émotion en 5 secondes, on est d'accord. Je l'avais dit qu'ils étaient piégeux, ces champis. Bon, on finit le 9e. Eh ben on va sortir et revenir. On va sortir et revenir. On va terminer du coup le live un peu plus tard que 18h30 vu qu'on est mais nous-mêmes arrivés en retard. Alors. Ah, bon. C'est pas ton téléphone, j'espère. J'espère pas. Bon, on verra bien. On relance en 2 joueurs. On va chercher Moju. Allez. Ah non. Ah, ah oui, pour oui, le second. Vas-y, ouais. Bah voilà, donc voilà. Hop. On arrive. Et donc. Alors, Waluigi en Wiggler, vous dites. Attends, que je retrouve mon setup. Ah. Je joue avec. Elle est où la petite scarabée là? Là. Scarabée, je crois que je suis en classique. Je l'ai même pas, Wiggler, j'ai même pas débloqué sur cette version. Ah bah si. Ouais.
Waluigi en Wiggler. Ça va prendre des confitis, Tax. Bah, ça se trouve, j'ai même pas réussi. Il a peur de rien. Si ça se trouve, j'ai même pas réussi à maîtriser l'engin et. Je vais devoir rechanger pour mon éternel Wario. On n'a pas un deuxième chien pour. Ah! Dans la boîte? Oula, non. On va relancer dans l'ordre. On va pas se prendre la tête. On va remettre New York. Voilà. Alors, ce qu'on appelle le chien, c'est le petit machin pour mettre les Joy-Con. Bon, c'est moi qui ai pas validé, non? Ah bah non, c'est moi. Ça va être pour nous deux. Allez, on est parti. Ouais, calme. Alors, Luma, si je déclare un traité de non-agression... Un traité de non-agression, très bien. C'est-à-dire, quelles sont les... C'est-à-dire que si... Quelles sont les conditions? Bah, on tire sur le chat, mais on se tire pas dessus entre nous. Genre, si t'es parce juste... eux, comme ils s'organisent si juste pour devant tous nous tirer dessus... j'ai une carapace rouge, faut que j'attende. Ouais. Ok, ok. Que eux, okay. Comme ils sont de mèche tous ensemble, pour nous voir chuter... Regardez ce marchand de en tapis, live. Là. Bah, je pense qu'on ne sera pas trop d'être deux dans l'adversité. Ok, on tente comme ça. Allez, c'est parti. Bon, on va commenter au mieux, mais là, on va être tous les ouais, deux... Ouais, là, on va être pris par le pris business. Par le, hein. Pris par, le, par la course. Alors, je précise, hein, moi, je n'ai pas fait ce circuit. Je suis. Très bien. Maintenant on est 12, hein, au maximum on est plus 11. Bah voilà. Ça se passe pas bien pour moi. Écoute, moi là je remonte, je suis 5ème. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, je sais. C'est la config, faut que je vire les assistances et tout. Ah non, t'as laissé ça ? Bah, et par défaut, ils y sont. Donc oui, c'est pas du tout l'étrage que... Vous avez la taille des taxis à côté desquels on passe ? Enfin, la taille d'un autobus. Ah bah c'est New York, hein. Ouais. C'est des voitures à l'américaine. En fait, ils sont à la bonne taille pour les taux de Yoshi qu'on voit à côté de nous. Je pense que c'est plutôt nous qui sommes miniaturisés. Non, la carapace verte qui traînait. Et voilà, je suis dernière. Eh ben, une belle 8ème place. Bon, alors, il faut vraiment que j'envoie ce bordel là, que je retire. Non, mais moi, je découvre le circuit. Parce que là, j'avoue, c'était bizarre. Ouais, le pack de non-agression n'a pas été très efficace, mais c'est normal. Alors, attends. Bah, quoi ? Je t'ai rien envoyé dessus ? Attends, comment je fais, moi, pour changer ? Ah oui, merci. Là ? Et... Attends. C'est à partir de là ? Ouais. C'est là. Ah, voilà. Voilà. Ça va déjà... un peu moins pire. Ouais, respecté pas... mais inutile. C'est exactement ça, Bob. Quelqu'un veut un peu de sel pour accompagner ouais. Son sel. Bah non, pas mais... sûr que ce sera moins pire, oui. C'est... oui. Voilà, le skid va pouvoir s'exprimer sans la moindre retenue. C'est un peu comme quand VG et comme Son Goku enlève ses poids. Un peu comme Son Goku qui enlève ses poids. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ?
Bon, zéro excuse sur ce circuit par contre. Là, c'est la guerre. Il y a quelques circuits comme ça, c'est la guerre. Genre Parc des Billes, bien sûr. Hein. Celui-ci aussi. Non. C'était qui avec ses boules, ses carapaces? C'est pas moi. Ces boules de feu. Non, je sais que c'est pas toi. Moi. T'étais juste devant. Oui, parce qu'on a un pacte. Mais. De manière, t'es bien devant moi. Ah non, non, remarque. Non, 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 mais là, de toute façon, il y a une forme de mêlée. Et je n'arrive pas à m'extraire. Ouh là là, oh là 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 là, c'est bon. Putain, j'ai pris un truc, j'ai perdu 4 places, quoi. Ah oui, non, mais là, oh, putain. Ils sont terribles, hein. Pire bon. Là, ce circuit, je le connais par cœur. Quel mais... enfer! Je me suis pris un Wario dans la tête. Là. Allez. Non! Oh non! Je me suis. J'ai pris un coin. J'ai chié ma trajectoire. C'est ma faute. Ah, j'ai un peu le seum, je vous le cache pas. Ah, j'ai turbo le seum. Ouais, j'ai arraché la place à Link là. Au dernier moment. Oh, c'était compliqué. Putain, le moindre choc que t'encaisses, c'est fini, quoi. Ah ouais, ouais, c'est terrible. Bah voilà. Ouh, Bajou. Dans la défaite. Bajou qui nous dit premier tout le long, il a pris une bleue, il a terminé dixième. C'est chaud. On notera l'esquive du personnage invincible qui a eu pitié de Pouillon. C'est vrai. Ouh, là, où vais-je? Non, là-haut. Non. Je vais m'en sortir. Tout va bien. Ah non, mais aucun y a zéro droit à l'erreur. Ah ouais, zéro droit à l'erreur. Joli le classement général. J'ai pas fait gaffe au point. Est, je sais qu'on on a, est derniers tous les deux. On est derniers dernier tous les deux, ok. Ah. Voilà. Ouais, c'est un peu dur, hein. Vous avez un peu un gros niveau, globalement. C'est la première fois que tu te frottes au lecteur ou... Ah non, non, comme à ça, chaque non. fois je me fais défoncer. On nous dit abonné premium mensuel depuis 2015. Je suis à deux doigts d'annuler vu les performances. Bah non, mais d'habitude... Hein. Non mais c'est pas qu'on est mauvais à Mario Kart, c'est que c'est eux que sont très êtes... bons. Ouais, c'est que vous êtes vraiment trop fort, quoi. Donc pour l'instant, c'est un petit peu trop calme de mon côté. Ah, j'ai rien dit. Voilà, je dis ça et direct, il y en a deux qui débarquent avec des étoiles. La fiesta, quoi. Tu sautes avec R. Ouais, mais... Non, mais là, il y a une bague. Oh là là, c'est terrible. Dès que t'as l'impression que tu peux t'en sortir, c'est pas ouais, du tout bah ouais, tu prends un truc et tu, tu perds 5 places dans l'office. Là, on retrouve le train. Si j'ai bien ce qu'on dit tout à l'heure. Ah, est-ce que étoile versus train? Eh bah, étoile versus train, par contre, ça marche. Ah bah, ouais, donc, le train est moins solide qu'un cactus. Voilà, train supérieur à cactus. Non, inférieur, cactus supérieur à un train, quoi. Je me prends la boue sur le passage. Je
pense que ça méritait quand même une vérification. Oh l'arnaque. Bon bah voilà. 11 et 12e. Ouais. Pourtant, c'était moins pire que d'hab. MDR, c'est magnifique, on se moque de nous. Hein. Ah non, mais ils sont trop forts. Le problème, c'est que... Il est pas mal, ce circuit, par contre, je trouve. Ouais. Il est plutôt cool. Il a bien été revu et corrigé. Ah oui, je voulais le refaire, celui-là. Vous êtes pas si mauvais pour des gens qui jouent peu. Tu vois le couteau? Ça... Tu vois le couteau? Tu vois la plaie? Tiens, vas-y, est-ce que tu peux me remettre mon petit Wario, Luma? Ton petit... Ah non, c'est bon, toi, prochain. Ton petit Wario? Non, je vais remettre, ah, je vais remettre mes... Dans l'adversité, il faut en revenir aux bonnes habitudes. Tu peux toujours t'entraîner le mercredi. Oui, c'est alors vrai. Justement, j'ai enfin récupéré Internet chez moi. Parce qu'en fait, pendant 2 mois, là, je n'ai pas eu Internet dans mon nouvel appartement. J'ai enfin récupéré Internet et j'ai réinstallé mon setup de stream. Donc, je vais pouvoir revenir me faire rouler dessus à Mario Kart le mercredi soir. C'est prévu. Je sais pas, peut-être pas mercredi prochain, mais c'est prévu. Un pack de non-agression est-il nécessaire? Bah, écoute... On est plutôt sur un fonds de solidarité qu'un parc de non-agression à ce niveau-là. C'est à qui prendre la dernière place entre vous et moi. Ouais. Allez, on prend 3. La boule. Hop. Les côtés, c'est plus long et c'est plus tranquille. Quelle réactivité du bot. Ah ouais, mais le bot des excuses de ça qui est chaud patate. Hein. Ah bah là, il y en a... Ah là, ce soir, a je pense, partie, que, je pense hein. que madame, il... Ah bah le bot, là, il fume. Non, non seulement le bot fume, mais en plus, madame, il avait en noté plein de nouvelles. Ah bah, oh, mais elle sort d'où cette bombe, là? Incroyable. Voilà. Le chat m'en est témoin, je fus deuxième. À un moment, et puis j'ai pris un truc, et puis j'ai pris 12 trucs. Quatrième, quatrième, plus qu'un tour. Putain, mais Bajou, avec ta carapace verte là, tu m'énerves. Un souffle, franchement. Oh là là. Cette carapace bleue qui frôle le sol, j'avais jamais réussi à m'y faire dans ce Mario Kart là. C'est un truc de ouf. Vraiment, mais... J'étais au milieu du classement, je te jure. C'est terrible. Dur, dur, hein. C'était toi, Pouillot? Laquelle? C'est toi qui m'as fumé? De, avec quoi? Je sais pas. Je sais pas, j'ai balancé des trucs dans le tas, quoi. J'ai pas... T'étais où? J'étais vers 6ème. Ah ouais, bah peut-être... T'étais devant moi, peut-être. Je sais pas, faudrait remettre le replay, on verra ça demain. Ok, ouais. Ok, Pouillot. Non, mais je me souviens pas, non. Ah. Ah oui, attends, vas-y, si tu peux appuyer sur Y après. Ah oui. Ah bon, toi, t'as pas. À chaque fois, j'oublie. Ouais, le clip, si vous avez le clip, comme ça, on verra le pack de non-agression, ce qui s'est passé. Ouais, je veux bien, s'il Parce vous plaît. Parce que faudrait pas faire naître non plus de... voilà.
comment dire. Mais la perf de Luma, mais pas du tout. J'étais au milieu du classement et d'un coup, je me termine au 12e et visiblement. On sait à cause de qui, quoi. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, le pacte est rompu. Il est en suspens. Non, moi je demande juste la VAR, mais c'est possible. Je dis pas que c'est pas impossible. Moi je demande, ouais, voilà, l'arbitrage vidéo. C'est Wario qui te rentre dedans, on me dit. Ah. C'était pas une carapace de danser par Puyo, du coup. C'est important, hein, là, parce que là, on... Parce que si c'est Puyo, si je c'est le fume. Moi. C'est moi, je vais en entendre parler. Il est là. Je connais pas le circuit, là, ça se voit. La preuve. Merci pour le cri. Franchement... Je sais pas où il faut aller. Alors, c'était mon éclair, mais... Oui, l'éclair... L'éclair, c'est pas possible. Voilà, rentre... sauf si il ne rentre pas dans le pack de non-agression. Voilà. C'est dans une des petites conditions, des petites lignes. Voilà, c'est dans le petit alinéa 2. Et l'étoile alors? Ah non, l'étoile, non, c'est toi qui t'occupe. Hein, ouais. Non, il y a de Bullet Bill. Parce que tu comptes pas de Bullet Bill. Alors moi j'ai envoyé une carapace bleue par exemple, là, tu vois. Oh, là, le commun, voilà, et typiquement, c'est elle qui part, tu vois. C'est pas moi qui ai visé la carapace bleue. Donc la carapace bleue aussi, elle est dans l'alinéa 2. J'ai fait toute la course 12ème. J'ai jamais réussi à remonter, c'est merveilleux. Oh putain. Juste devant, putain. Bon, j'ai réussi à griller 3 places à la fin. Carapace de... Ah, c'est confirmé par la VAR, vraiment? Alors, au ralenti, on voit l'éclatement de la carapace. Putain, là. Ouais, mais la VAR a tranché. Alors attends, la preuve. Voyons voir le clip de vidéo. On va regarder le clip vidéo, le temps du chargement. Alors. Parce que j'en balance. Oui, mais là, on voit que la fin, là. Ouah, attendez. On voit que là. C'est une carapace. C'est une carapace verte. La carapace, elle éclate. C'est la tienne. Bah, disons que j'avais des carapaces vertes à ce moment-là du... Au début du tournant. C'est clairement ta carapace verte, Puyo. Ah oui, parce que je... Ouais, on voit Waluigi qui... C'est clairement ta carapace verte, Puyo. On voit Waluigi qui s'exclame quand ça touche. Tu voulais changer de perso? Ouais. C'est clairement ta carapace verte. Ouais, le pacte de non-agression est rompu. Ah oui, bah ouais. Là, c'est... Je sentais qu'il allait être rompu un moment, mais je pensais pas. Merde, non, non, non. Ah mince, on n'a pas voté, nous. C'est bon. Ah merde. Bah nous on est en aléatoire sur tout le... Ah mince. Sur toute ta poule de circuit en fait. Bon c'est bon. Non, tout va bien. On a perdu serviette pour cause de daronnage. Bah c'est une très bonne excuse. Il y en avait une autre devant qui a ricoché sur Luma. Ah. Voilà, c'est compliqué. Je vais l'observer attentivement. Ouais, on va... On va passer tout ça au scalpel. Ce pacte de non-agression ne tient qu'à un fil. Caméra 2 de l'arbitre. Ah mais oui, parce qu'il y a le clip vidéo de 30 secondes de quelqu'un d'autre. Bah oui, de madame. Mais non, attends, madame, il se trompe pas. Attendez.
non, alors, on va regarder la caméra 2 après. Incroyable. Non. Ouh là là, c'est pas possible. Alors j'ai envoyé un bout, ça peut arriver sur quoi? Parce que le bout on ne contrôle moi, pas. Moi j'ai ni pièce ni objet, donc quoi qu'il arrive, je suis complètement désœuvré. Ah bah on m'a volé toutes mes carapaces vertes. C'est faux gain. Fangain. Oh là là, le 8! Le 8 qui est pour moi le pire objet du jeu. Déconcentre pas. C'est pour ça que j'entendais plus un bruit. Me déconcentre pas, Luma, c'est important. Il dit rien là, on se crade, il est premier. Il vient de sauter dans le couloir. La traîtrise paye, on nous dit. Non mais voilà, on nous met des courses GBA un peu à l'ancienne avec un peu plus de virages et moins d'options. On voit la diff. Ça continue à décortiquer le clip. Eh bien c'était un vrai plaisir car la règle GK, quelle heure il est? Ah bah il va falloir que je rentre, c'est pas de chance ça. Je voulais pas mettre aléatoire, je me suis trompée. C'est pas de chance. Bon bah je suis refait pour, oh bah, pour la semaine, pour l'année tu veux dire Vegabigs. Ça tombe pas sur nous? Non, c'est bon. La victoire silencieuse, c'est, bon. C'est mieux. On ma est soirée bon. Est faite. Je... Voilà. Ça compense toutes les... Mais ça, c'est Wario, ça. Hein. Bon, alors. En fait, quand il dit rien, Puyo, c'est qu'il gagne. Ah bah, mauvais perdant, mauvais gagnant en plus. Hein. Je crois que c'est encore plus énervant qu'un mauvais perdant. Un mauvais gagnant. Ouais. Ah, c'est possible. Alors, il n'y a pas de rupture du pack de non-agression. Tu as vraiment atterri sur moi. Ah bon? Ouais, avec les champignons. En fait, t'avais des carapaces autour de toi. Et dans nos rebonds, ça a fait que tu as atterri sur moi. Bon, tant qu'il n'y a pas de rupture du pacte. Non, c'est pas clair pour la fois d'avant. Ah oui? Ouais, mais pour l'instant, j'ai l'impression que l'avare n'arrive pas à trouver. Ah, nique-toi! On nous dit qu'il y a déjà rupture. Ah oui, oui. J'ai l'impression que c'est ta carapace qui m'a touché. Oui, je pense aussi. Non, en fait, à quoi je le pressens? C'est que déjà, bon, j'avais trois carapaces vertes que j'ai balancées un peu random dans le dernier virage. Donc ça fait quand même beaucoup de probabilité que ce soit une carapace verte à moi. Sans blague. Et en plus, au moment où on voit Marie trébucher. Paf ! Allez hop, je te l'ai envoyé. Ah ouais, d'accord. Je te l'ai envoyé. Ah ouais, non mais moi c'était pas fait exprès, c'est ça la différence. On est quitte. Mais moi c'était pas fait exprès. On est quitte, Pouillot. Mais non mais. Voilà la fourberie de la rédaction. Voilà. Non mais. Ah, je suis scandalisé en vrai. Ah, mais le Goomba aussi là, il traîne. Ah non, il n'y a pas besoin de clipper. Là, je l'ai envoyé, j'ai visé et tout. Ça s'appelle un headshot.
Ça l'a fait rire, voilà. Bah ouais, j'ai très bien réussi mon coup. Quelle trahison. Bon bah on est quitte, donc on peut repartir sur des bases... Pour la dernière course, voilà. Ouais. Voilà, sur des bases... Non, j'ai encore fait aléatoire, punaise. En fait, c'est que de base, ah, oui. Il te remet sur le même bouton. Voilà. Bon bah c'est la DER en tout cas, donc la règle Game Cult s'applique. Ah ouais, non, c'est terrible. Et tu peux pas changer, c'est ça le pire. Tu peux pas genre finalement dire non, je oui, veux pas aléatoire. Oui, de toute façon, c'est le online à la ZOB, quoi. Mais c'est le même online sur Wii, quoi. Il a pas, ouais. Ça fait 15 ans, il a toujours la même tête, ce online. Bon, tout va bien. Règle GK ? Ah bah, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Peu importe l'issue. Peace was never an option, c'est un peu l'idée. Ouais, mon forfait 4G là, il prend cher. Allez, c'est parti. Mais non. Putain. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Bon, du coup, c'est la découverte. Hein. Il est pas si terrible. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh là là, la carotte. La carotte suprême. Ouais, le chat s'est donné rendez-vous là, c'est... On vous attend à la sortie, quoi. Même sacrément ripou cette course. Bah t'as vu, c'est pas. Ouais, c'est... Mais je te dis, comme le tracé de level design a été pensé pour Mario Kart Tour en même temps, du coup il n'y a pas trop de dinguerie quoi. Mais dites-moi, Luma. Oui. Ça se passe plutôt bien. Le temps d'envoyer quelques petites carapaces vertes dédiées un peu. Ah, le sel. Ah, je ne suis que sixième. C'est dommage si j'étais le meilleur. Si tu étais cinquième. Ah, c'est pas très vite. C'est arrivé. Par exemple, là, c'est moi qui suis derrière. Zut. 43 points quand même. Toi, tu t'en sors bien. Moi, je suis dernière. Les couteaux sont pas... aussi piquants que des cactus. Et bien, c'est sur cette phrase qu'on va terminer ce GK Live, ma foi, fort en rebondissement. Non, c'est pas ici que je vais aller. C'était là. En rebondissement et en émotion. Ouais. Pour cette découverte du coup des nouveaux circuits du DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Merci à vous deux, on y dit oui, merci Pouillot pour ton fair play, un peu moins pour le mien, je dois avouer, elle était méchante celle-là. Mais Et quoi. Bravo à la team FDP hein, qui a été premier, deuxième. Ah, ils ont représenté RPZ, encore une fois l'excellence de ski GK, loin, c'est plus eux que nous, GG, bien évidemment. Ah, oui. Et vous retrouverez Hubert demain, encore une fois pour de la voiture, mais cette fois-ci dans Turbo Golf Racing, si je mets les mots dans le bon ordre, qui va jouer en ligne aussi. Alors, je sais pas si du coup il pourra jouer contre des lecteurs, je sais pas comment ça va s'organiser. Mais ce sera demain à 17h30. Et puis, vous nous reverrez dans l'émission de cette semaine où ça va causer. On peut dire des jeux là. Oui, Xenoblade il est déjà sorti. Ouais, Two Point Campus, le test est dispo. Et Two Point Campus, le test est dispo. Donc voilà. Et puis, à très bientôt. Merci, merci tout le monde. Ciao. Bye. Bye bye.